Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la sélection, enfin ma sélection Birchbox du mois de mars. Donc je l'ai reçue ce matin, enfin ce midi. Et donc du coup elle se présente, vous voyez, dans une toute petite boîte pour le coup. Alors, hop, nous avons donc le magazine, comme d'habitude, et ce mois-ci le thème c'est Self, Love et Club. Tout un programme quoi, autant dire. Et donc du coup, nous avons une très jolie boîte. C'est la première fois en 3 ans bientôt que je vois ce format-là de boîte. Donc là, nous avons 2 tiroirs. Donc très facile à réutiliser à la maison, dans le bureau, enfin dans la salle de bain ou autre. Donc du coup, découvrons déjà ce qu'il y a dans le premier tiroir. Donc premier produit que je pioche, c'est un échantillon de la marque Lancôme et c'est une Idole en parfum. Moi personnellement j'adore ce parfum, je l'ai dans ma salle de bain, je l'aime beaucoup, donc très contente d'avoir ce petit échantillon, vraiment contente. Ensuite, de la marque Topicrème, un gel nettoyant sur gras qui nettoie, apaise, protège et sans savon. C'est le ultra riche cleansing gel comme ceci. Donc là nous avons un beau format, hein. C'est vraiment plutôt pas mal, 75 ml. Voilà. Donc très bien, Topicrème, voilà, c'est une marque de parapharmacie qui est vraiment top. Généralement il n'y a pas trop de problèmes. Et puis là l'avantage de ce que je vois rapidement, c'est que ça va sur les nourrissons, les enfants. Donc, autant vous dire que au fil de ma condition, j'aime. Ensuite, nous avons une miniature de chez, comme ceci, donc c'est un rouge à lèvres, il s'appelle Liz Waiter, tout mignon, comme ceci, et donc du coup c'est cette couleur là, qui s'appelle Gourmand, et donc du coup au niveau du swatch, on est sur un nude plutôt pas mal, j'aime beaucoup, vraiment un rosé, j'aime beaucoup pour les tiroirs. Deuxième tiroir, c'est Noël, j'ai l'impression, ce mois-ci. Donc là, nous avons de la marque Brave New Air et c'est un masque pour les cheveux à la kératine. Voici qui se présente comme ceci. Pareil, là, on est sur un beau format. On a 50 ml, donc c'est très bien pour essayer. Ils nous disent d'appliquer sur cheveux mouillés après leur shampoing. Bon, on l'a pas tout de suite, je pense pas. Laisser agir 5 minutes puis rincer abondamment. Éviter contact avec les yeux, bien évidemment. C'est une marque que je connais pas, donc très contente. C'est une découverte. Vraiment, je connais pas du tout. Pour celles qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, vous connaissez la gamme, la marque. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, décidément, je connais pas non plus. Là, c'est Imparfaite. C'est une crème hydratante pour peau heureuse. Carrément, et c'est quoi la marque du coup? Je saurais pas vous dire. Imparfaite peut-être, tout simplement. Comme ceci, donc là pareil, un bel échantillon. On est sur un 30 ml et donc du coup appliquer quotidiennement matin sur une peau propre et sèche. Usage externe, éviter le contact, donc voilà, tout simplement. Il y a 96% d'ingrédients naturels. Pardon. Et donc du coup, voilà, appliquer sur le visage. Donc top, c'est une belle routine. Et enfin, bah, décidément ce mois-ci, franchement, je ne connais pas les marques, donc je parle l'échantillon de parfum. J'ai envie de vous dire, c'est purement de la découverte. Donc là, la marque, c'est -417 et c'est le Absolute Mutt. C'est un masque corporel à l'argile, pas mal, sous format de petits sacs comme ceci, petits sachets. Et là, du coup, c'est écrit vraiment, vraiment, vraiment trop petit pour moi. Argile naturelle et cosmétique de la mer morte pour favoriser le renouvellement cellulaire. S'utilise en masque corporel partiel ou intégral en massage pour rafraîchir et nourrir la peau. D'emploi appliquer une couche généreuse et uniforme. Laisser agir en 20 minutes. Oh, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc de l'argile, toujours rester prudente si vous avez la peau très sèche ou fragile. Ça peut encore plus assécher. Personnellement, j'utiliserai pas ce produit parce que déjà rester 20 minutes à poil comme ça, avec un masque sur tout le corps, si je suis pas en institut, dans une couverture chauffante, je le fais pas. Donc l'idée est très bien, c'est forcément un bon produit, j'en suis sûre. C'est 100 ml en plus, donc là on est vraiment sur des beaux produits, hein, ce mois-ci. Mais pour moi, ça m'intéresse pas du tout.
Ça ira au troc, hein, c'est pas bien grave. Écoutez, plutôt pas mal. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 5 produits ce mois-ci. Petite nouveauté, dans le magazine, d'habitude, on avait donc les produits et les prix, l'explication, tout ça. Maintenant, ça se fait uniquement sur le site internet directement pour aller pouvoir consulter comment on utilise les produits. Et donc du coup, là-dedans, on va retrouver principalement les produits mis en avant sur les e-shops, mais également ce mois-ci un interview en fait alors j'ai vu des influenceuses et également histoire de meuf. Donc Meuf Paris nous sape avec des vêtements et des accessoires. Voilà, donc sûrement sur Paris, et vous avez un code promo en plus à l'arrière pour avoir 10€ offerts. Donc voilà pour la box du mois de mars. Je suis plutôt très contente de mon contenu, que des marques que je connais pas, donc à part Topi Crème là et puis le petit échantillon de parfum, mais c'est vraiment une très très belle box. J'adore le nouveau format, je sais pas s'ils vont le refaire plus souvent, mais c'est vraiment très pratique. On peut customiser, on peut le laisser comme ça si le bleu va dans la même pièce chez nous. Mais vraiment, vraiment super sympa. C'est top comme histoire. Quoi. Moi, je suis fan. J'adore le nouveau concept. Je suis fan. Eh bien, vous, si vous l'avez reçu, dites-moi ce que vous avez reçu en commentaire, comme d'habitude. Et puis, si ça vous plaît aussi, ce nouveau format de magazine et ce nouveau format de boîte, est-ce que ça va être tous les mois comme ça? On ne sait pas, on verra bien au mois d'avis. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis ciao ciao.